appartient. Allez, abandonne. Toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai seulement fait ce qu'on m'a dit. Diona m'a ordonné de t'amener dans le jardin. Pitié, ne me tue pas! J'ai libéré ces hommes. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont attaqué? Diona t'a berné comme elle a berné la grande prêtresse. Le capitaine que tu as tué était le chef des renforts de sa sœur. Et le poison devait être utilisé sur toi si tu te révélais trop dangereuse. Je vais montrer à cette vipère à quel point je suis dangereuse. Pourquoi Diona agit-elle ainsi avec les siens? Diona déteste sa sœur. Elle a toujours vécu dans son ombre. Elle a rejoint le culte pour prendre le pouvoir? Je n'aurais jamais cru qu'elle irait jusque-là. Je vais tuer cette traîtresse. Elle est partie tuer la grande prêtresse à l'autel, au nord du temple. Tu dois te dépêcher. L'autel. Bien. Aphrodite va avoir droit à un sacrifice. Tu fais confiance au visage que te montre ton reflet? Pas moi. Jumelles? Des jumelles? Je n'arrive pas à le croire. Elle a toujours envié ma réussite. Vivre dans mon ombre a fini par lui coûter la raison. Tue-la! Vite! Vivre dans mon ombre? Je t'aimais, Diona. Je n'ai jamais cherché à t'écraser. Mystios, tu dois la tuer avant qu'elle n'offre Cythère au culte. Ça me brise le cœur. Mais il le faut. Ne parle pas de ton cœur, vipère. À vous, tu n'en as jamais eu. La véritable prêtresse, c'est forcément ce que contient le message de sa servante. Méfie-toi des moires! Comment peux-tu savoir ça? Sa fin a dû être si tragique qu'elle a renié les moires. La pauvre. C'est ma faute. Je l'ai chargée de t'espionner. Et tu l'as fait tuer quand elle a menacé de te démasquer. N'écoute pas ces mensonges. Je suis la grande prêtresse. Je pourrais vous tuer toutes les deux. Je devrais peut-être, d'ailleurs. Tu veux nous tuer? Et tu penses que cela ira contre les volontés du culte? Ils se moquent de notre sort. Elle dit vrai. Parlez-moi. Si nous mourons, le culte enverra quelqu'un prendre la place de grande prêtresse. Les méthodes du culte n'ont pas de secret pour toi, n'est-ce pas, serpent? Assez! Il faut tuer Diona, dépêche-toi! Fais ton devoir, Mystios! Tue Diona! Taisez-vous! Toi, je t'ai percé à jour, Diona. C'est terminé. Parlez-moi, je vais vous tuer! Ah! Ah! Ah!
Je vais tous vous débusquer. L'adepte du culte a été démasqué, grande prêtresse. Ma propre sœur. La famille, je sais. Je la haïssais. Mais je l'aimais aussi. Je connais ce sentiment. Tu as su protéger Citer en mon nom, Mystios. Quant au culte de Cosmos... Heureusement que j'ai tué la bonne prêtresse. En effet. En tant que grande prêtresse, mon devoir est de recueillir les égarés, et de les ramener dans le sein d'Aphrodite. Et si tu as rencontré les habitants de Pefka, tu sais pourquoi seule une intervention divine peut les sauver. N'y suis jamais allée. Tu as de la chance. L'une de mes prêtresses a été envoyée là-bas, et en est revenue bouleversée. Elle a parlé d'un homme, Mélite. Qu'en est-il de lui ? Il terrifie et persécute la population de Pefka. Il mène de sombres activités, mais j'en ignore la nature exacte. Peut-être que ceci pourra t'aider. Merci, grande prêtresse. Maintenant, excuse-moi, mais je dois tout rebâtir. Kéré. Oh oh Le siège du culte de Cosmos se trouve à Pefka, Mystios. Trouve Mélite et tue-le. La vie est creuse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est l'aventure, le frisson, le danger, et aussi des richesses inouïes. Le danger ? Je ne recule devant aucun défi. Alors approche, et prouve-le en ouvrant ta bourse, car ce genre d'offre ne se présente pas tous les jours. Je t'écoute. Un peu de discrétion, Mystios. On ne peut pas laisser n'importe qui savoir qu'une fortune attend quelque part. Mais avant, toute chose a un prix.
Paie, et je te remettrai une tablette contenant tout ce que tu dois savoir. Tiens, prends. Excellent. Voilà pour toi. Crois-moi, cette tablette te mènera à des richesses inouïes. Quoi ? Mais dis-moi où... Tout est sur la tablette. Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde cette tablette et suis les indications, Mystios. Moi, j'ai rempli ma tâche. Ta récompense t'attend au large de la côte est de Citer, sur l'île de Diakovti. Cet homme ne perd rien pour attendre. Ah, je la vois. Le coffre était vide. Explique-toi. Impossible! Tu es sûr de savoir comment on lit une tablette? Je te garantis qu'il contenait quelque chose. Comment peux-tu en être certain? Parce que... c'est moi qui l'y ai mis. Je veux dire... Malaka. Non! 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 Oh, God.
your dead guy, then you're the boat!
Quelque chose dans l'eau. On le repère pas. Des choses à remonter près d'ici. Les bris vont être utiles. En avant.
temps, mes frères et mes sœurs. Quelqu'un a le pied lourd. Tu vois, ils sont là, les dieux. Derrière cette porte. Écoute. Je ne pensais pas m'absenter aussi longtemps. Sider, eh bien, si l'on souhaite répandre un nouveau fléau... Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Dissimulation, mon ami incrédule. Un déguisement pour tromper ceux qui convoitent la gloire. Ah, tu les entends, toi aussi? En effet, il y a quelque chose. Et la source de ce bruit, quelle qu'elle soit, doit faire 2 ou 3 fois la taille d'un homme. Vite, serre-toi du disque. Ouvre la porte. Ils nous attendent. Quoi que ça puisse être, je suis prête. Mes frères et mes sœurs! Voyez des dieux, créateur de l'univers, étendez vos mains puissantes et élevez-moi vers les cieux.
Thank you.
arrêtez là.